Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour une présentation faite par Patrick Hamon et Safa Lakrishi d'Estimency. Ils travaillent tous les deux chez Estimency. J'ai connu Patrick à l'ACMI, qui est une autre association qui se réunit au CNAM avec des grands comptes, et nous travaillons sur les points de fonction et les métriques dans le domaine de l'informatique. Voilà. Donc Patrick et Safa vont nous parler d'intelligence artificielle, de machine learning et d'ingénierie logicielle. À vous. Merci. Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Patrick Hamon, je suis président et fondateur d'Estimency. Safa est notre responsable de tout ce qui est recherche et développement et une docteure en intelligence artificielle. Donc je vais lui laisser la place pour les aspects trop techniques, même si moi j'ai fait beaucoup d'IA quand j'étais beaucoup plus jeune. Alors, on a prévu une présentation de 45 minutes à peu près. Ça se veut interactif, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous interrompre. Hein. On a voulu faire quelque chose un peu mixte, c'est-à-dire simple, mais avec des moments où on va apporter un peu plus de contenu. Hein, vous initiez, je laisserai d'ailleurs cette partie-là à sa face, laisser toucher du doigt certaines techniques d'IA dont on parle et puis ça vous donnera un peu une petite idée de quoi il s'agit. Est-ce que dans la salle, vous avez des gens qui ont fait de l'IA ou utilisent de l'IA? Oui, hein, là-bas? Oui? 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 Dans quel domaine? D'accord, oui, ok. D'autres? Non? Ok. Bien. Alors, deux mots sur Estimency. On est éditeur de logiciels et on propose une solution qui permet d'automatiser le calcul des coûts et des délais des projets logiciels. En gros, on sait lire un cahier des charges et puis vous dire combien ça va coûter. Ok ? Quelque chose de magique, mais à la fin de cette présentation, vous allez mieux comprendre comment on peut procéder. Alors, l'intelligence artificielle, vous ouvrez un journal, quoique aujourd'hui on n'ouvre plus de journaux, hein. On allume sa tablette, on regarde son smartphone, et tous les jours, et ça c'est les derniers, hein, ça, ils ont tous moins d'une semaine, hein, enfin des têtes d'articles que j'ai chopées dans la presse. Donc Google utilise le machine learning pour créer des visuels de données dans Sheet, c'est-à-dire que vous posez une question, quelle est la répartition des ventes par client, et instantanément on va vous construire un graphe. Ça s'appuie sur le machine learning. Vous avez anticipé les tremblements de terre grâce à l'IA. On va y revenir parce que c'est quelque chose qui est intéressant. C'est des choses qu'on ne sait pas définir, enfin modéliser d'un point de vue paramétrique. En fait, c'est une des caractéristiques de l'IA. L'intelligence artificielle va bouleverser la justice, mais la médecine aussi. On le lit souvent. Le machine learning dans tous les produits Apple. Alors, Apple est en train de sortir un produit qui s'appelle HomePod, basé, c'est une petite enceinte que vous avez chez vous qui va révolutionner votre relation avec votre intérieur, votre maison, etc. Au même titre que l'iPhone avait révolutionné le téléphone. Bon, il y a beaucoup d'applications, on en parle tous les jours, je ne vais pas tous les faire. Alors, ça a démarré il y a quelques temps, il y a eu cinq grandes étapes à mes yeux importantes. Il y a quelques années, en 2011, Watson qui a gagné au Jeopardy, c'est le question pour un champion, contre des humains. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Si je vous pose la question, qui a gagné la Coupe du Monde en 1998, vous allez répondre, la France. Et pourtant, je n'ai pas parlé de foot. Voilà, c'est ça la difficulté. Vous voyez ? Plus récemment, il y a un an et demi, Google a battu le champion du monde de Go. On disait il y a 10 ans, ça ne sera jamais possible. Non seulement c'est possible, mais en plus, ça devient facile.
La voiture autonome. Qui aurait imaginé ça il y a encore 10 ou 15 ans ? Facebook, qui est capable, dans n'importe quelle image, de reconnaître s'il y a un chat. Quelle que soit sa position, sa race, sa couleur, etc., il va vous dire « je vois un chat ou pas ». Et il a appris tout seul. C'est-à-dire qu'on lui a donné des milliers, des dizaines de milliers d'images en lui disant « dans cette image, il y a un chat ». Et il a appris comme ça ce qu'était un chat. Machine learning. Vous voyez ce qu'on devine de quoi il s'agit ? Ben on donne des informations et puis la machine apprend par elle-même de quoi il s'agit. Et plus anecdotique, il y a quelques mois, un programme d'IA a construit une mélodie, une chanson des Beatles. Et je vous assure que si vous l'écoutez, vous avez l'impression que c'est des Beatles. Bon, les paroles sont un peu enfantines, mais c'est vraiment surprenant. Comment ça a procédé ? On lui a donné toute la discographie à des Beatles et ils ont retrouvé des espèces de mélodies, de quelque chose qui était propre aux Beatles. Et ils ont construit une mélodie comme ça. Donc on arrive à faire la création. Et en fait, les choses s'accélèrent et je terminerai mon discours avec ça. Alors, on va vous parler de d'IA et d'ingénierie logicielle, de mesure de la productivité et de points de fonction. Alors, qui est, sait de quoi il s'agit quand je parle de points de fonction ? D'accord. Bon, je ferai un bref rappel pour ceux qui ne savent pas. On parle de points de fonction et on parlera de fiabilisation des estimations de projet, de projet agile, un peu dans tous ces sujets. Et puis je terminerai sur les futurs de l'IA. Même si je ne prétends pas tout savoir, et loin de là, mais j'ai lu et j'ai des choses que je trouve intéressantes de partager. Alors, il y a quatre niveaux à l'IA, l'intelligence artificielle. Premier niveau, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle interactive. Elle est spécialisée sur un domaine précis et sans conscience du monde qui l'entoure. Okay, c'est, il n'y a pas d'apprentissage de leçons du passé, donc c'est typiquement IBM Deep Blue ou AlphaGo. AlphaGo, champion du monde de Go, mais ne sait faire que du Go. Okay. Deuxième niveau de l'intelligence artificielle, c'est à mémoire limitée. Là, on commence à garder la mémoire du passé et à l'ajouter à sa représentation du monde. D'accord. Ça reste des programmes, des systèmes spécialisés, mais on reste dans le domaine de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. C'est la voiture autonome ou les chatbots dont on parle beaucoup. Okay. On est très bien dans ce domaine-là. On fait beaucoup de choses dans ce domaine. Aujourd'hui, il y a un niveau 3 qui est la capacité à comprendre les émotions, les pensées qui affectent le comportement des humains et qui peut avoir une interaction sociale avec les humains. Et en fait, ce n'est jamais que l'assemblage du niveau précédent. C'est-à-dire vous prenez du niveau précédent un chatbot, un traducteur, une voiture autonome, etc., etc. Voilà, on construit quelque chose qui est capable d'interagir avec l'humain. Et enfin, le dernier niveau, l'IA consciente d'elle-même, de son existence, de son comment elle est fabriquée, et capable d'interaction et d'inférence, d'abstraction et d'inférence. Donc ça, c'est une étape, on ne sait pas quand ça va émerger, on ne sait pas trop, mais il est probable qu'on le voit, nous, un jour. Okay. Et donc là, on sera sur des systèmes qui seront conscients d'eux-mêmes et qui seront finalement assez proches des caractéristiques de l'humain. Qu'est-ce que vous appelez conscient d'eux-mêmes ? Je sais, je pense que je suis. Je suis rabot, je sais comment je fonctionne, je sais m'analyser, je sais mes forces, mes faiblesses, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, je peux interagir, je suis conscient de ce que je suis.
dans une dimension un peu philosophique et tout ça, mais je vais surtout pas m'apesantir. Alors, IA et ingénierie logicielle. Alors, on n'a pas tout exploré, je vais vous donner un certain aperçu, mais ingénierie logicielle, vous connaissez ? Tout le monde connaît ? Ah, c'est tout ce qui permet de développer du logiciel. Enfin, bon, bref. Il y a des spécifications, des gestions d'exigence. Si on prend les N domaines d'activité du CMMI, il y a 22 domaines de mémoire qui vont du planning, la gestion d'exigence, les tests, la validation, enfin tous ces domaines-là. Okay. Alors, je ne vais pas tous les couvrir, mais nous, chez Estimancy, on s'est intéressé à deux domaines particuliers. Et avant ça, je voudrais vous rappeler quelque chose qui est assez étonnant. Sur Terre, tous les ans, il y a à peu près 120 millions de projets logiciels, du tout petit au très gros. En moyenne, ils coûtent deux fois plus cher que prévu, durent plus de deux fois plus longtemps que prévu, pour ne livrer que 60% de ce qui était attendu. Standish Group, c'est une étude du Standish Group, le rapport KO, qui est assez connu, et qui est menée depuis des décennies. Et finalement, les choses n'évoluent pas, parce que même si les choses évoluent, la complexité des logiciels évoluant, voilà, on arrive toujours à peu près à ces ratios à quelques pouillèmes près. Alors, quand un projet est en retard, est sous-estimé, eh bien, on va faire moins de tests, on va sacrifier des tests, donc la qualité va être mauvaise, l'équipe va être stressée, et puis ça peut déclencher des conflits, voire des procès avec des sous-traitants. Donc l'enjeu d'une bonne estimation, c'est quand même quelque chose de considérable. Alors, on parle d'estimation, donc. Dans l'estimation, il y a deux grandes étapes. Il y a avoir la quantité, deviner ou mesurer la quantité de logiciels à développer. Et une fois que j'ai cette quantité, bien traduire cette quantité en appliquant des formules de productivité en effort. Et puis en effort, après, on connaît le coût de l'heure, donc on calcule tout le reste. Okay, donc il y a deux grandes étapes. Il y a la partie, ce que j'appelle le sizing, quantité de logiciel, et l'estimation, le calcul de l'effort. Okay. Alors, historiquement, il y a eu beaucoup de travaux sur cette partie-là, la deuxième, la partie estimation. Il y a eu des travaux. Pardon, j'ai mis deux fois. Alors, en matière d'estimation, donc je pars du deuxième. Il y a eu des travaux sur ce que pourrait apporter l'intelligence artificielle pour améliorer le calcul de l'effort. Okay. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le machine learning et tout ce qui est technique d'IA permettent d'améliorer les estimations. En particulier, lorsque le domaine est mal compris, c'est-à-dire qu'on a des données et on ne sait pas trop l'interaction entre les données, quand on n'a pas de domaine de solution paramétrique, d'appréciation modélisée, ça c'est vraiment une caractéristique du machine learning, enfin, que la solution qu'apporte le machine learning, quand les conditions sont changeantes. Et donc, en fait, il y a plein de domaines dans lesquels ça s'applique. Alors, dans le logiciel, il y a eu des études, mais quoi qu'il arrive, les données restent nécessaires. Il n'y a pas de miracle, il faut avoir des données pour pouvoir s'appuyer sur des techniques d'IA. Alors, il y a eu des tas d'études. Dans des centaines de travaux de recherche, propose des approches de machine learning pour construire des modèles d'estimation. Là, c'est une étude qui a été menée par Wen en 2012. Et voilà toutes les techniques qui ont été évaluées, hein, case-based reasoning, artificial neural network, etc., decision tree, etc. Et donc, la répartition des travaux. Donc, il y a eu des centaines d'études. Enfin, là, ici, 115, mais il y en a eu beaucoup plus qui ont été étudiées. Et les conclusions, c'est celles que je vous donnais, c'est que les modèles construits sur des techniques de type machine learning sont plus fiables, plus précis que les modèles classiques. Oui. En fait, quand il parle de modèle d'estimation de l'effort, il s'agit d'un modèle d'une fonction qui prend comme entrée la taille.
et d'autres paramètres comme la technologie, l'expérience, le niveau de l'équipe comme entrée et donne comme sortie l'effort. Peut-être tu as loupé ce détail. Tout à fait. Tu as raison, merci. Je suis là. Alors, je l'ai dit, on a besoin de données. Alors, dans le domaine de l'estimation, il existe des bases de données. Il y a l'ISBG, pour ceux qui sont dans les points de fonction, vous devez connaître. C'est une espèce de base de données dans laquelle on a une taille en point de fonction et des mesures d'effort et autre chose derrière. Il y a des données disponibles auprès de la NASA, d'ERNE, Maxwell, etc. Donc, il y a eu des. À partir du moment où on a des données, on peut commencer à faire des machine learning. C'est une condition nécessaire. Donc les conclusions, comme je disais, sont plus fiables. Les modèles ML sont en général plus fiables que les modèles paramétriques. Voilà. Alors, l'autre aspect sur lequel on va passer un peu plus de temps, c'est le sizing. Le sizing, donc quelle est la quantité de logiciels à développer en fonction de ce qui est décrit dans un cahier des charges. Alors, je vous rappelle juste quelque chose, c'est que, je vais partir un peu loin, le marché mondial du fruits et légumes, c'est 315 milliards de dollars tous les ans. Et ce qui est bien, ce qui est pratique, c'est qu'on sait dire qu'un kilo de tomate, on sait ce que c'est qu'un kilo de tomate, et on sait donc lui donner un prix. Le marché du logiciel, c'est plus de deux fois ce montant-là, on est à 700 milliards de dollars. Les entreprises ne savent pas peser ce qu'ils achètent. C'est une grosse problématique de l'informatique aujourd'hui, c'est ça. Combien pèse un kilo ou un je sais pas quoi de logiciel? Donc c'est la problématique du sizing. Alors cette problématique a été... il y a eu des travaux, travaux de recherche en IA consistant à essayer de résoudre. Et donc, ils l'ont abordé sur deux aspects, enfin, avec deux niveaux. J'ai un cahier des charges en langage naturel et je vais essayer de le traduire dans un langage structuré du type UML. Ce sera plus facile ensuite d'avoir une taille. Deuxième axe de recherche, j'ai de l'UML. J'essaye de traduire cette UML en unité d'œuvre, en taille du logiciel. Okay, donc il y a eu des travaux sur les deux axes. Et nous, chez Estimancy, on s'est dit, on va tout faire une seule fois. Et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est-à-dire que partir du langage naturel et de savoir quelle est la quantité de logiciels à développer. Alors, l'approche classique en matière de taille, c'est je prends un cahier des charges, je me suis construit ce qu'on appelle un système d'unités d'œuvre. Donc des écrans simples, moyens, complexes, on a défini des composants. Et quand je lis le cahier des charges, ben là je vois un écran simple, écran d'accueil, là l'écran de saisie de la fiche client, ben, il est plus compliqué. Donc j'identifie mes composants, chaque composant a un poids, et j'additionne les poids, et donc à la fin je sais que mon logiciel pèse tant. Et après je pourrais passer à l'effort parce que j'ai des abacs d'effort. Vous me suivez jusque-là? Oui. Alors, le problème de cette approche, c'est que ce n'est pas standard. Chaque entreprise va définir son propre modèle. Ce n'est pas standard, c'est difficile à calibrer. C'est-à-dire passer à l'effort, ensuite, ça va être compliqué. Ce n'est pas toujours facile de réutiliser et on appelle la traçabilité entre le texte et puis la taille. Quel est l'écran simple? Généralement, on n'a pas d'outillage permettant de le faire. Donc, et pourtant, ça reste nécessaire aujourd'hui, malgré ce que je vais vous dire ensuite, hein, malgré les points de fonction, etc. Il y a des cas où on a besoin, enfin, les points de fonction ne réservent pas tout, donc on a besoin de ça. Okay, donc, il reste des axes d'amélioration en matière de sizing. Donc, voilà. Alors, il y a une autre approche, donc là, on était sur le détail technique. Des composants techniques. Et en fait, c'est d'ailleurs une première difficulté, c'est que comme ce sont des composants techniques, c'est généralement le développeur qui va faire ce dénombrement, qui va deviner la taille, et il peut être décalé en termes de connaissances ou de compréhension avec les méthodes de besoin de l'utilisateur qui peut ne pas être un informaticien.
Donc, difficulté à communiquer sur des composants techniques parce que l'utilisateur n'est pas forcément informaticien. Okay. Donc, on parle, il y a une autre approche qu'on appelle la taille fonctionnelle. Alors, pour vous donner une idée, imaginez, je veuille faire Paris-Alençon. Si j'interroge via Michelin, il va me proposer trois choix, dont le premier choix par la Nationale 12, 193 km, 2h55, 18,20 €. Deuxième choix, par la Touroute A11, 247 km, 2h37, 43,14 €. Donc, je m'appuie sur deux technologies différentes, hein, la Nationale ou l'autoroute. Okay. Dans un cas, c'est plus cher, mais c'est plus rapide et plus long. Dans l'autre cas, c'est plus long, ça dure plus longtemps, mais c'est moins cher. Mais là, on est sur des mesures techniques, c'est des kilomètres s'appuyant sur une technologie. Alors, la taille fonctionnelle, c'est quoi en fait? Par rapport à ça, c'est mon besoin, moi utilisateur, c'est d'aller de Paris à Alençon. Paris à Alençon, c'est un vol d'oiseau, 180 km. Même si ça ne correspond à aucun chemin technique, mon besoin, c'est d'aller de Paris à Alençon. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'on va parler. On va parler de taille fonctionnelle parce que c'est la fonction que je veux me remplir, aller de Paris à Alençon. Ok? Mais dans le logiciel, il existe une norme qui est une norme internationale qui permet de mesurer la taille du logiciel. C'est une norme ISO. Elle permet à partir d'un cahier des charges de déduire la quantité de logiciels à développer. Mais c'est fonctionnel et ce n'est pas technique. Hein, c'est des fonctions utilisateurs fournies à l'utilisateur. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle est assez compliquée. Les experts sont rares et chers. Faire un comptage pour une fonction, pour un cahier des charges, ça peut prendre 5, 10 jours. Donc, si vous devez faire ça à chaque fois que vous avez un changement dans les expressions du besoin, vous passez le temps à faire du comptage. Ça coûte très cher. Okay. Alors, dans les plans de fonction, vous avez les données. Enfin, il y a 5 composants à détecter, hein, ce qu'on appelle les données et les traitements. Les données qui sont internes ou externes, les traitements qui sont des entrées, des sorties, des interrogations. Alors, juste pour vous donner un indice, afficher une fiche client, ça peut être beaucoup de paramètres, donc ce sera évidemment plus compliqué que d'afficher l'adresse du fournisseur. Donc on devine que la complexité des traitements sont dépendants de la quantité de données manipulées. Okay, donc les deux choses sont étroitement liées. Plus on aura de données, plus les traitements seront complexes. Vous me suivez? Bon, donc les points de fonction, c'est ça. Comment on procède? Vous avez, on liste l'ensemble des fonctions et des données. Donc, s'authentifier, consulter la liste client, créer un client, consulter un mandat. Donc, ça, c'est l'ensemble des fonctions, les données. Donc, il y aura mandat, client et entité. On identifie les types de composants. Donc, s'authentifier, on aura un affichage. Consulter la liste des clients, un affichage, saisir des données, etc., etc. Donc, affichage, c'est une sortie. Une saisie de données, ça sera une entrée. Donc, voilà. Et puis, on attribue une complexité en fonction de la nature des données. Et en fonction de la complexité, on aura un poids. Et donc, on additionne les poids et c'est l'ensemble des points de fonction. Bon. C'est, y a rien de très compliqué, mais c'est compliqué de compter. Bien. Bien. Alors, c'était la partie pénible. Vous avez une liste d'exigences en matière d'estimation de projet ou d'ingénierie logicielle. On parle souvent de capitalisation, et avouez que capitalisation et machine learning, on devine qu'il y a des choses à faire, ok, à condition de savoir réutiliser les données. Bon. En fait, il y a deux types de capitalisation quand on fait d'estimation. Il y a la capitalisation consistant à faire un bilan de projet. Donc, je fais un bilan de projet. À la fin du projet, je dis combien on a dépensé d'efforts, quelle était la taille réelle du projet, et puis je construis ma fonction de productivité. Vous me suivez là?
Il y a une autre forme de capitalisation qui est celle qu'on met en place, nous, qui consiste à dire ben, capitalisons sur ce qui est utile, enfin ce qui est difficile. Autrement dit, ce que fait l'expert point de fonction à travers ce travail de comptage, consistant à associer une exigence en langage naturel à une taille. Donc, lorsqu'on a la chance d'avoir des compteurs points de fonction, on va leur demander de prendre les exigences et de chaque exigence de faire la cotation en points de fonction, donc une entrée, une sortie, une requête, une complexité, et puis identifier les données. Et ça va alimenter une base de connaissances. Okay. Et cette base de connaissances va ensuite passer dans un processus de machine learning. Donc, on s'efforce juste de capturer le savoir de l'expert. C'est bien qu'on va exploiter cette base de connaissances, on va construire en fait un système, un modèle qui va nous permettre de nous passer de l'expert. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai passé là-dessus. Alors, comment ça fonctionne ? On prend des exigences, donc du langage naturel, et on va passer dans un premier processus qui n'est pas du machine learning, donc on va vite en parler, c'est du traitement automatique du langage, ça reste une technique d'IA. Là, il faut identifier les données et les attributs. Afficher l'adresse du client, j'ai une donnée qui est le client avec un attribut qui est l'adresse. Okay. Cette identification des données est nécessaire ensuite. Donc, on va identifier les données, mais on va poser la question quand même au chef de projet. Est-ce que les données sont bien internes ou externes? Parce que, du point de vue des points de fonction, c'est important. Si les données sont extérieures à l'application, elles ont plus de poids que si elles sont internes à l'application. C'est plus compliqué d'aller chercher une donnée qui est dans une autre application que si elle est en local. Vous voyez? Donc, et ça, on peut pas, l'informatique ne peut pas le deviner. C'est lié à l'architecture du SI, donc on ne peut pas le deviner. Donc, on est obligé de poser des questions simples au chef de projet. Et puis, une fois qu'on a ces réponses, eh bien, on va appliquer un système de machine learning qui va identifier, qui va classer les traitements. Et j'insiste sur les deux termes, identification et classification. Identifier, j'identifie que client et adresse sont des données. Classifier, cette exigence, c'est une entrée, une sortie ou une requête. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous me suivez ? J'affiche l'adresse du client. Affichage, ça va être une sortie dans laquelle j'ai des données qui sont l'adresse et le client. Et donc, à l'issue de cette phase-là, on a la taille en point de fonction qu'on va ensuite pouvoir envoyer à, comment dire, à un module de calcul de l'effort qui lui aussi peut s'appuyer sur des techniques de machine learning. Dans notre techno, on fait aussi bien des modèles paramétriques que construire des modèles basés sur le machine learning. Et donc de là, on va déduire les budgets détaillés, les coûts, les délais, le staffing. Donc voilà en gros le synopsis qui nous permet d'automatiser le calcul de l'effort et des coûts à partir d'un cahier des charges. Okay. Alors pour ceux que ça intéresse, je peux faire une démo, mais pas ce soir. C'est pas l'objet, mais ça marche très, très bien. Alors, on est d'ailleurs finaliste du trophée d'innovation chez EDF. Alors, je vais laisser Safa vous donner quelques techniques qui sont mises en œuvre et qui vont pas vous permettre de toucher du doigt ce qui existe et à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Ça va être d'assez haut niveau, mais voilà, vous en aurez entendu parler. Je vais me pousser là-bas. D'accord, donc on attaque la partie technique, c'est pas la plus sympa, mais bon, j'espère que vous tenez le coup. La machine learning, je parle du principe, ce qu'on appelle aussi l'apprentissage automatique. Il permet la construction de du modèle qui apprennent automatiquement à partir de données disponibles à faire des estimations ou des classifications. Donc, on a des entrées, on a une sortie.
Ça consiste à construire un modèle qui va apprendre. C'est comme la régression, mais c'est quelque chose de, qui fait l'apprentissage d'une façon automatique. Il y en a plusieurs différentes techniques machine learning. Je cite quelques-unes, comme les réseaux de neurones, certainement vous connaissez. Et les arbres décisionnels, les forêts d'arbres décisionnels, les supports vector machines, il y a KNN, il y en a plusieurs. Et maintenant, il y a une autre évolution dans le machine learning qu'on appelle le deep learning. C'est un genre de machine learning plus compliqué avec une structure plus complexe et qui utilise beaucoup de données afin d'apprendre. Donc, il apprend des comportements plus complexes par rapport au machine learning. Et parmi ces techniques, je cite le RNN, Recurrent Neural Networks, et LSTM, Long Short Term Memory. Donc, voilà. Donc, dans cette partie, on va s'intéresser à la classification des traitements plutôt que l'identification des données. Vous avez vu avec Patrick, il y a deux volets. Il y a l'identification des données et la classification des traitements. On va s'intéresser à ce volet-là. Donc, le principe consiste à déterminer les types de traitements que contient une exigence. Si c'est une entrée, une sortie ou une interrogation, comme il peut être deux ou trois à la fois, dans une seule exigence. Ça dépend de la manière que l'utilisateur a utilisé pour exprimer son exigence. Voilà, pour cela, le processus qu'on a utilisé consiste en deux étapes. Puisqu'on a un cahier de charge qui est rédigé en langage naturel, on ne peut pas construire un modèle sur la base des mots. On a besoin de vectoriser ces cahiers de charge et les rendre d'une manière, les transformer en des chiffres. Et puis, la deuxième étape, c'est de construire le modèle à partir de ces vecteurs liés à la sortie, qui est soit une entrée, sortie, interrogation, ou deux ou trois à la fois. Donc voilà, c'est ça l'objectif de nos recherches. Et donc, je vais commencer par parler de la première étape de vectorisation. Comment on fait pour vectoriser les cahiers de charges et les exigences? Donc, il y a plusieurs approches. Il y a une approche classique qui s'appelle Bag of Words. Et comme son nom le montre, c'est un sac de mots. Ça veut dire qu'on se base sur le vocabulaire ou le dictionnaire des exigences pour vectoriser chacune de ces exigences. Je vous donne ici un exemple pour concrétiser. On a un cahier de charge qui se compose de trois exigences. Donc l'utilisateur peut visualiser la facture et peut l'imprimer. L'utilisateur peut créer un nouveau client et ainsi de suite. Donc, l'approche consiste à extraire le dictionnaire, donc les mots qui ont une signification. Ici, on a utilisateur, client, peut visualiser, créer, imprimer, facture, nouveau, modifier, profil. On n'a pas les articles et les déterminants. Ensuite, on va vectoriser selon si le mot existe dans l'exigence ou pas. Si le mot existe, c'est 1, 2, 3, ça dépend du nombre, sinon c'est 0. Et on voit bien qu'on a le vecteur, la dimension du vecteur dépend de la dimension du dictionnaire, le nombre de mots dans le dictionnaire. Donc plus on a un grand cahier de charge, plus ça va exploser, le vecteur va exploser, et ça va donner plusieurs dimensions. Donc là, ça revient, c'est une approche facile et rapide pour représenter les user stories en termes de vecteurs, c'est l'approche classique, quoi. Et ne nécessite pas un corpus. On a juste un cahier de charge, un nouveau cahier de charge, on peut facilement le vectoriser. On n'a pas besoin des bases de données qui sont déjà là. Mais le problème, c'est la dimension des vecteurs qui augmente avec le vocabulaire.
Et il y a aussi un autre qui consiste... les mots entre elles, il n'y a pas de relation en fait. Si on a l'utilisateur ou... non, c'est pas ça. Afficher ou visualiser, on n'a pas de relation entre les deux mots alors que normalement, ils sont liés. C'est la même signification. C'est synonyme. Donc, cette méthode, elle ne représente pas cette dimension-là. Et donc, par conséquent, elle ne représente pas la sémantique. Et cela nous donne des vecteurs d'une grande dimension. Et ça ne permet pas de réduire cette dimension. Parce que si on a, par exemple, visualisé avec un autre mot, par exemple, affiché, qui veulent dire la même chose, on va supprimer une dimension et ça va permettre de réduire l'espace. Donc là, c'est l'approche classique. Ici, je vous montre une autre approche qui est plus moderne et qui a beaucoup de bénéfices. Elle s'appelle l'approche Deep Learning Wurzelweg. Elle se base sur le Deep Learning, donc c'est un haut niveau de Machine Learning. Et c'est utilisé par Google aussi. Donc le principe, c'est que dans un corpus, les mots similaires apparaissent dans des contextes similaires. On part de ce concept-là, de cette théorie, que les mots similaires, ils apparaissent toujours dans des contextes similaires, et qu'on peut représenter un mot en fonction de ses voisins afin de capturer la sémantique. C'est ça le concept de cette technique qui s'appelle le Wurzelweg. Oui, je vais expliquer. Ah, ici. Ouais, voilà. Donc là, le Wurzelweg, il permet de vectoriser chacun des mots. On a pris un exemple avec les mots « man »,« woman »,« king »,« queen ». Donc on les a représentés dans un espace vectoriel. Vous voyez, on a vectorisé chacun des mots et représenté. On voit bien que la distance entre man et woman est la même entre king et queen. On voit bien ça. Et par conséquent, on a king moins queen égale à man moins queen, man moins woman. Et si on fait king moins man plus woman, ça donne queen. C'est ça la magie de Wurzelweg. Donc ça capture bien la sémantique entre les mots. Donc comment ça fonctionne? Là, je rentre plus dans la technique du Wurzelweg. Donc en se basant sur un corpus, parce que ça nécessite, c'est à l'opposé de l'approche classique, ça nécessite un grand corpus, beaucoup de données en fait, pour pouvoir apprendre la sémantique et la synonymie. Et c'est parce qu'il se base sur le deep learning, et le deep learning, ça nécessite une grande base de données. Donc il se base sur un corpus. Et ça consiste à entraîner un réseau de neurones à prédire les mots qui peuvent être associés au mot M, ce qu'on appelle le contexte. Donc, en fait, on a un mot M et on a l'objectif de prédire les mots qui peuvent être associés. Donc là, l'entrée, on a le mot M et la sortie, on a plusieurs mots avec des probabilités. Et chaque mot, si on a une grande probabilité, ça veut dire le mot, il peut être dans le même contexte, ça veut dire proche du mot M. C'est ça en fait l'idée. Et donc ça, c'est un réseau de neurones avec plusieurs couches. La couche d'entrée qui contient le mot M, qu'on veut vectoriser, qu'on veut ça, rendre comme un vecteur. Et on a la sortie, c'est les mots, plusieurs mots, les mots de dictionnaire. Tous les mots du dictionnaire. Et on a la couche cachée. Et entre, vous savez, le fonctionnement des réseaux de neurones, il y a des poids qui lient la couche cachée avec la couche d'entrée, avec la couche de sortie. Donc notre objectif, c'est faire l'entraînement, c'est de changer les poids afin d'adapter les probabilités des mots de sortie par rapport au mot d'entrée. Par exemple, on a un mot d'entrée affiché. Et on a dans la base de données, on trouve toujours affiché l'adresse. Ici, on va avoir comme entrée affichée. Si on veut savoir la probabilité d'en la sortir, adresse, ça va avoir une grande probabilité. Mais affiché le chat, ça va avoir une petite probabilité.
ça, parce qu'il n'est pas toujours dans le même contexte d'affiché. C'est ça l'idée. Donc on fait l'entraînement sur tout le corpus en essayant d'adapter les poids afin qu'il prédit les probabilités qu'un mot soit associé au mot d'entrée. Ben, j'ai essayé de simplifier. Ouais. Un mot associé à un autre, je l'ai vu 50 000 fois associé 22 000, donc c'est 22 000 sur 50 000. Quel est l'apprentissage là-dedans ? Où se passe la valeur ajoutée du système ? La valeur ajoutée, c'est qu'il n'y a pas que deux mots, c'est plusieurs mots qui peuvent... par exemple, dans la couche d'entrée, on peut avoir deux mots en entrée, et savoir ce qui va venir après, dans la sortie. On peut avoir trois, on peut avoir comme on veut. Quatre, comme on veut. Alors qu'en statistique, c'est difficile de faire les liens entre plusieurs combinaisons. Voilà. Donc là, on a le choix, que ce soit pour les sorties, pour les entrées, faire les combinaisons qu'on veut. Ah. Oui, je vais donner un exemple. Donc après, en fait, les vecteurs, le vecteur du mot M, ça va être déduit à partir des poids qu'on a ajustés dans le réseau de neurones. Ben, je n'ai pas expliqué comment, parce que c'est des calculs mathématiques. Mais l'essentiel, c'est que ça va être déduit à partir de ces poids ajustés. Voilà, un petit exemple. On a le mot base dans le domaine logiciel. On part toujours de base de données. On parle toujours d'algorithmes, graphiques, quelque chose comme ça. Donc, si on suppose qu'on veut vectoriser le mot base, d'accord, on a plusieurs mots, mais on veut vectoriser le mot base. Donc, ça va prendre 1, le mot base, dans la couche d'entrée, les autres, ils vont prendre 0. C'est ce que je vous ai dit. Si on veut rajouter un autre mot avec base, on peut mettre 1 comme on veut. Et après, on a plusieurs mots dans la couche de sortie. On a les mêmes mots, ça peut être données, exportées, base, encore, algorithme, graphique. Et en fait, l'idée, c'est de chercher, c'est d'optimiser les probabilités. On voit bien que probabilité de données, c'est 80%. Donc base, elle est toujours suivie par données. C'est 80% suivi par données et 15% par exporté, parce qu'on dit exporter la base de données. Mais rarement avec algorithme. On ne dit pas algorithme de base de données. Rare. Et graphique de base de données aussi, c'est rare. Ben, c'est juste un petit exemple pour expliquer les liens, la sémantique. Donc c'est ça le Wartsuvec. Actuellement, le Wartsuvec existe, elle est préétablie par Google à partir de la base de Google News. Sur les actualités de Google, ils ont pris cette base, ils ont fait entraîner le Wartsuvec, ils ont établi un modèle qui permet la vectorisation de n'importe quel mot, en anglais par contre, elle est en anglais, et la dimension qu'il donne c'est 300. Donc chaque mot est transformé en un vecteur de 300 dimensions. Et ça donne une très très bonne performance. Mais il faut savoir que la base de données de Google News est énorme, très très importante. Donc pour améliorer, pour le domaine de logiciel, on peut utiliser le Google News, mais ça reste un peu restreint, vu qu'elle est générale, elle englobe tout. Et n'est pas spécifique à notre domaine. Donc pour avoir une meilleure performance, on a besoin d'améliorer ce Wartsuvec, ça veut dire de le construire à partir de nos bases de données, de l'entraîner sur nos bases de données, sur nos spécifications, sur le langage logiciel, afin qu'il apprenne les mots du logiciel, du développement logiciel. Donc voilà, mais cela nécessite une grande base de données. Et voilà, donc... Donc là, j'ai parlé de la vectorisation et je passe à la construction du modèle machine learning. Une fois qu'on a vectorisé la base de données, on veut trouver la relation entre les entrées, qui sont les spécifications, et la sortie, qui est la taille du logiciel. La relation qui lie les deux. Ben, les spécifications ont été déjà vectorisées, maintenant on veut trouver cette relation.
Et il y a plusieurs techniques de machine learning qu'on peut utiliser pour modéliser cette relation qui est complexe vu qu'on a la dimension du vecteur est assez importante. Et la relation entre les mots et la taille est très complexe. Donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers la machine learning plutôt que les techniques de régression simples et faciles, quoi. Donc, cette machine learning consiste à faire entraîner une technique sur la base des spécifications vectorisées pour apprendre à classifier les traitements que contient une nouvelle spécification. C'est ça l'objectif. Donc, là, je vais vous introduire des exemples de techniques d'intelligence artificielle. Les réseaux de neurones. Donc, ils sont inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Et se base sur des neurones. C'est des réseaux fortement connectés de processeurs élémentaires. Ben, en fait, chaque neurone, c'est un processeur élémentaire et qui fonctionne en parallèle. On a une couche de sortie, couche d'entrée et une couche cachée. Chaque neurone, il fait son processing, il passe l'information à l'autre neurone. Voilà, je n'ai pas trop entré dans le détail. Une autre technique, c'est les forêts d'arbres décisionnels, qui est aussi nouvelle et moderne, et se base sur les arbres décisionnels. Je ne sais pas si vous connaissez les arbres décisionnels. Donc, les arbres décisionnels sont basés sur... Ici, on a un arbre décisionnel, et à gauche, on a les forêts d'arbres décisionnels. Un arbre décisionnel, c'est basé sur des règles de classification qui basent leurs décisions sur une suite de tests associés aux attributs. Donc ici, par exemple, la taille fonctionnelle, en fonction de la taille fonctionnelle, s'il est inférieur ou supérieur à une valeur, et en fonction du nombre de requêtes, on peut trouver l'effort. Ça, c'est un modèle appliqué sur l'effort, pas sur la mesure de la taille, parce que c'est la mesure de la taille, on parle de dimension des vecteurs, donc c'est pas concret, je peux pas le représenter d'une façon concrète, compréhensible. Il y aura que des chiffres partout. Et les forêts d'arbres décisionnels, c'est un ensemble d'arbres décisionnels, et après des ensembles faits d'une manière aléatoire, et après on fait une moyenne pour trouver la meilleure valeur. Voilà, je sais pas si vous avez capté. Il y a des questions? Ça va? Voilà, j'ai fini. Bien, c'était la partie technique. Donc, quelque chose qui me semble important, c'est revenir sur le machine learning. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est bientôt la fin des développeurs? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le sujet le plus en vogue au MIT, hein. Et donc, c'est beaucoup de gens veulent faire du machine learning et se penchent au machine learning. On en a parlé en introduction. Donc, qu'est-ce que machine learning? Juste pour simplifier, c'est capacité d'apprentissage des ordinateurs. À l'origine, c'était ça. Est-ce qu'on saurait faire en sorte que les ordinateurs sachent apprendre par eux-mêmes? Qu'ils sachent construire de manière autonome des modèles? Et la notion d'apprentissage interactif. Et en fait, on sait tellement bien le faire. Quand Safa disait, on a des entrées, on a des sorties, lui, il va se construire ses réglages à l'intérieur, dans les couches cachées, mais on ne sait même pas ce qui se passe. Et ça pose des problèmes, d'ailleurs, juridiques, finalement, parce qu'on ne sait pas comment, finalement, c'est construit. C'est fait automatiquement, il a appris, ça marche, mais on ne sait pas comment c'est réglé. Et ça pose des petits soucis juridiques pour l'avenir. Donc, à la question, est-ce pour autant la fin des développeurs? En fait, non, ça fait juste apparaître de nouveaux métiers, un dérivé de tout ce qui est programmation classique. On va avoir de plus en plus d'informaticiens machine learning et des développeurs qui vont être davantage utilisés pour leur dimension créative et laisser sous-traiter au système tout ce qui est itératif.
Alors moi, j'ai dans ma famille, j'ai des médecins. Et je leur dis, mais votre métier va changer. J'ai des juristes, pareil. Leur métier va changer. On saura plus facilement se passer, et ça commence d'ailleurs aux États-Unis, il y a des systèmes en ligne qui savent vous faire des diagnostics, qui s'appuient sur le machine learning. Et la précision du diagnostic est bien meilleure qu'avec un médecin. Parce que les ordinateurs ont une capacité d'apprentissage qui est juste gigantesque, qui est bien supérieure à ce que savent faire les cerveaux humains. Okay. Donc, tout ce qui est métier dont l'apprentissage consiste à accumuler des connaissances, comme les médecins, les juristes, feront être en partie remplacés. La notion de créativité peut être moins facilement. Même si... Tout à l'heure, je vous ai parlé du morceau des Beatles. On arrive à faire des choses. Alors, quelques mots de conclusion. En fait, ma conclusion... Oui. Ah oui, alors, effectivement. Pour conclure, en fait, sur ce que disait Safa, les performances de la détection des points de fonction... On arrive avec moins de 200 exigences à avoir de l'ordre de 80% de détection. Ce qui est très bien, avec parce que le volume de données est faible. À 2000, on sera probablement au-dessus des 90. Vous dire précisément, on n'y est pas encore. Donc, le système dont nous parlions tout à l'heure, à savoir détecter, faire du sizing automatisé, ça fonctionne. Et on a des trucs très intéressants. Alors, la conclusion, tout est à réinventer. En fait, toute l'informatique qui consiste à avoir une approche paramétrique des formules, des calculs, en fait, on peut le réaborder avec un angle machine learning. Pour peu qu'on ait des données. Et les miracles en fait, de l'IA, c'est deux choses. Ça s'appuie sur deux choses. Les données. Aujourd'hui, tout est accessible sur Internet. On a accès à un volume de données extraordinaire et on peut faire des tas d'expériences de machine learning et la capacité des ordinateurs. Et ça, c'est sans doute le point le plus important. Et je vous invite à lire, si vous retrouvez un article, vous allez sur ce site, la waitbutwhy.com. Et la question qui est posée, c'est, mais a priori, quand... l'ordinateur sera-t-il plus intelligent que l'homme? Okay. Et en fait, on a une vue complètement tordue de la réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'amuse de voir un robot qui fait des monkey tricks, des trucs de singe, et on se dit, de toute façon, la vitesse où les choses vont, c'est pas demain que l'ordinateur va être plus intelligent que nous. En fait, on a une vision très, très fausse de ça. Si vous regardez l'évolution du monde, de l'humanité, où vous prenez la vitesse, l'accélération des choses en téléphonie. Il a fallu 40 ans pour que tous les Français aient un téléphone fixe. Il a fallu 5 ans pour que la moitié de la population en ait eu un téléphone portable. Enfin, voilà, les choses s'accélèrent. C'est-à-dire, autrement dit, la courbe, elle n'est pas comme ça. La courbe, elle est comme ça. Pardon. On oublie que les ordinateurs doublent de puissance tous les 18 mois. OK. Et que donc la courbe n'est pas comme ça, mais elle est comme ça, en fait. Et on est à ce point d'inflexion de l'IA, et si quelqu'un de très intelligent a un QI de 130, on peut penser qu'à horizon 2040, formule d'accélération, le QI des ordinateurs sera de 100 fois supérieur à l'homme. Bon, c'est étayé, je trouve ça très intéressant dans cet article. Donc je vous invite à le lire parce que ça s'appuie sur des tas d'exemples et j'ai trouvé ça, en tout cas ça questionne. Voilà. Des questions? Est-ce que la performance de votre technologie est la même, quelle que soit la langue utilisée pour rédiger le cahier des charges? Alors, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le français, on commence l'anglais.
On a besoin de données, donc c'est toujours pareil. Hein. Donc on court après les données. On sait faire très vite des démonstrateurs. On sait combien il faut de cahier des charges pour avoir quelque chose de fiable dans une entreprise. Notre souci aujourd'hui, c'est que les entreprises ne partagent pas leur base de connaissances, donc on ne peut pas encore avoir de système universel, mais les performances seront probablement meilleures en anglais qu'en français. Le français a certaines caractéristiques qui complexifient un peu les choses. Voilà. L'ambiguïté, voilà, l'ambiguïté de la main. Il y a plein d'exemples. Alors, nous, on travaille beaucoup avec le CNRS et j'aurais dû demander à Patrick d'être là. Patrick Paroubek est un des spécialistes de tout ce qui est traitement du langage et autres. Et au travers de 3-4 phrases qu'il vous cite, et vous comprenez toute la complexité du langage. Je ne connais pas ces phrases et c'est intéressant. Mais oui, le français est compliqué, beaucoup plus ambigu que peut l'être l'anglais. Développez-vous cette intelligence artificielle? La plateforme technique, on est sur des serveurs, on a des serveurs dédiés à l'intelligence artificielle et des serveurs dédiés aux produits, l'interface utilisateur, etc. Donc on s'appuie sur des serveurs assez ordinaires en fait d'OVH. En fait, la difficulté, c'est la construction du modèle. C'est-à-dire qu'on a des données en entrée et sortie, il faut construire les modèles et ça peut prendre plusieurs jours. Selon le volume de données, ça peut prendre plusieurs semaines. Mais une fois que c'est fait, vous l'installez, ça fonctionne. Vous utilisez quel langage pour traiter l'ensemble de ces données? J'utilise Python. Python, ouais. Et on s'appuie sur beaucoup de composants open source. Donc ça fait en inciter quelques-uns, mais il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu dans la presse, mais tous les grands, hein, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, ont mis dans le monde du libre tous leurs outils IA. Donc voilà, il y a des choses, et comme ce sont des entreprises qui ont des moyens extraordinaires, on a des outils qui sont vraiment très très puissants. Alors beaucoup sont en anglais, donc nous en français, on doit un peu adapter, mais on n'est quand même pas mauvais en France. Beaucoup, oui. Beaucoup. Et quelles sont les recherches que vous opérez autour de vos solutions? On cherche tous les jours à essayer de faire mieux, plus fiable, d'être plus rapidement opérationnel avec moins de données. Tout ce qui peut fiabiliser ça. Et c'est aussi au niveau de la comparaison entre les techniques, parce qu'on a beaucoup de techniques d'intelligence artificielle, aussi pour la vectorisation. Et donc, les recherches, ça consiste à comparer, à mettre des briques, en fait, et ensuite comparer l'ensemble. Parce que le processus, il y a vectorisation ML, et ben, on a plusieurs techniques de vectorisation, là, j'ai cité que deux, et plusieurs techniques de machine learning. Et donc, c'est quoi la meilleure combinaison qui donne la meilleure performance? C'est aussi ça, en fait, mes recherches. Et quelles sont les grandes briques techniques, en fait, de la solution? Vous avez un moteur d'inférence, vous avez un moteur de règles, vous avez d'autres moteurs qui permettent, en fait, d'alimenter le système? Non, il n'y a pas de moteur de règles. Il n'y a que la base de données en entrée et le modèle construit en sortie. Et pour le moteur de règles et tout, ça va être implémenté pour l'identification des données. Pas pour la classification. Pour l'identification des données, il y aura des règles de métier. Par exemple, afficher l'adresse du client, on a adresse du client. Quand on a ce grammaire-là, ça veut dire que l'adresse, c'est un attribut et client, c'est une donnée. C'est une donnée. Là, on va implémenter des règles de métier. Mais pour la classification des traitements, tout est automatique. Il n'y a pas de règles métier à... Dans l'apprentissage, il n'y a pas de mauvaise introduction de règles d'apprentissage. On a vu que, par exemple, Google s'était trompé sur
En discussion, hein, je crois qu'il y avait des chatbots. Il y a un chatbot qui et en fait, il avait appris de mauvaises sentences. Ouais. Et en fait, après, il devenait plutôt insultant qu'apporter une réponse, je dirais, humaine aux interrogations. Oui, alors c'est le problème des chatbots, c'est que le chatbot apprend au fur et à mesure de la conversation qu'il a avec des individus. Alors que notre système, il est pas interactif. Si vous voulez, on lui assimile des connaissances, on lui dit voilà une liste d'exigences, voilà la taille, débrouille-toi, construis un modèle. Et après, il sait appliquer ce modèle. Alors, en complément de ce qu'a dit Safa, d'un client à l'autre, on ne sait pas forcément à l'avance quel sera le meilleur modèle, le plus performant. Donc on essaye, comme dit Safa, plusieurs choses, et puis on prend, certains seront à 78%, l'autre à 80%, l'autre à 65%, et on prend le meilleur. Et la fois suivante, lorsqu'on aura rajouté des connaissances, on sera peut-être sur un autre modèle. C'est assez surprenant. Donc on a encore des choses à découvrir, mais c'est déjà très prometteur. Et surtout, vous arrivez à faire un chiffrage du projet quasiment instantanément, là où il fallait parfois quelques jours. Alors, combien de temps, enfin, quel est le délai de traitement ? Alors, il y a. Enfin, le traitement, c'est immédiat, enfin, ça prend 30 secondes. Hein, c'est pour avoir la taille, j'entends. Après, il s'arrête, il va vous poser 2-3 questions. Est-ce que ces données sont bien internes ou externes, etc. Donc, c'est à vous de confirmer, parce que lui, il ne peut pas le savoir. Et lorsque vous avez fait ça, il va lancer la classification des traitements. Donc, là, on aura la taille en point de fonction. Si vous voulez aller au calcul de l'estimation, il va vous demander la technologie, l'expérience des gens, le langage, enfin quelques paramètres clés pour mener son estimation. Et à la fin, vous avez 3 résultats. Alors, moi, j'avais une question. On a tous vu en entreprise des cahiers des charges ignobles. Hein. C'est la qualité des données d'entrée. Alors, comment est-ce que vous pouvez vérifier ou estimer la complétude du cahier des charges en entrée? Alors, ça, c'est effectivement une excellente question. Alors, j'ai souvent utilisé le terme exigence. C'est à dessein, c'est-à-dire que on ne prétend pas, mais on sait qu'on y arrivera un jour. On s'arrête aujourd'hui à un niveau de granularité exigence, donc qui est quelque chose d'assez réduit, un format assez bien connu. On s'est éduqué les chefs de projet ou les rédacteurs sur quelques bonnes pratiques. Parmi les travaux sur lesquels on mène en ce moment, c'est comment détecter des. On sait classifier des exigences en entrée-sortie et requêtes. On va rajouter une quatrième classification qui est imprécis ou ambigu. Vous voyez ? Donc, ça permet de dire attendez, celle-là, il faut la revoir. Donc, voilà, on va résoudre ça comme ça, et puis, au fil du temps, on pourra remonter et puis mener ça à l'échelle d'un cahier des charges. Très bas, en fait. Au niveau exigence, qui est l'ingénierie des exigences, c'est une bonne pratique aussi. Ça permet de faire caler le test, c'est quelque chose qui est compréhensible par tout le monde. Beaucoup d'entreprises reviennent ou viennent à la gestion d'exigences par ce biais. Ok, donc on a besoin d'intelligence à un niveau plus élevé pour l'instant. Oui, mais sans avoir besoin de faire du comptage point fonction. En fait, le problème qu'on résout, c'est que vous prenez une liste d'exigences, il faudra peut-être 5 jours, même s'il n'y a que 200 exigences, il faudra plusieurs jours pour faire la cotation. Donc c'est déjà gagner tout ce temps-là et pouvoir faire ça, même si ça change. Tiens, on a rajouté 3-4 cas, pouvoir refaire le calcul immédiatement. Vous parlez du sizing ou du calcul de l'effort ? Alors, le calcul de l'effort, généralement, c'est des ABAC. Donc, on est sur des approches statistiques. On n'a pas aujourd'hui, on a la capacité à faire des modèles d'effort basés sur du machine learning. On ne l'a pas fait. On n'a pas eu l'occasion, mais pour nous, ce n'est pas un problème compliqué. Donc, on applique des ABAC, donc des coefficients de productivité, etc. Donc, à partir du moment où ça a été calibré, on va reproduire. Ce qui était un peu au sizing, on arrive sur
donc à près de 80% sur 160 exigences en apprentissage. Donc à 2000, on doit être au-dessus de 90%. Ces APAC, ils sont fabriqués à partir de quoi ? Alors, les APAC, il y a plusieurs cas. Vous avez des APAC d'effort, hein, on est d'accord. Vous avez des bases. J'ai cité ISBG, International Standard. Non, software benchmarking, je ne sais jamais. Standard benchmarking software group, que je crois, un truc comme ça. C'est le software, le standard, je ne le mets jamais au bon endroit. C'est une base que vous pouvez acheter sur Internet qui a 10 000 projets, taille, effort. Donc vous pouvez vous benchmarker, vous utiliser, quand vous n'avez pas de données, vous pouvez faire ça et puis donc construire votre modèle d'effort par typologie de projet, etc., langage. Si vous, l'idéal, c'est de partir de vos ABAC, si vous en avez, et puis de calibrer là-dessus, ou le bilan de projet, c'est-à-dire vous faites quelques bilans de projet. À la fin du projet, vous dites, bon, bah, quelle était la taille réelle du logiciel développé, quel est l'effort réellement dépensé, et puis on en déduit une ABAC. Mondial. C'est une base. L'ISBSG, je crois que c'est. Tu m'arrêtes, Patrick, je crois que c'est australien. Hein, c'est ça, ouais. Non. Non, mais quand on n'a rien d'autre, voilà, ça permet de démarrer. L'idée, c'est de faire des bilans de projet, au moins. Mais si vous avez des ABAC, on arrive à faire, à se les utiliser pour calibrer. Hein, donc. C'est ça. Et quand vous comparez les différents modèles, comment vous évaluez que celui-là est meilleur que l'autre ? Vous attendez la fin d'un projet pour voir si ça colle avec les prévisions ? C'est ça. Oui. Alors, ça colle. Enfin, on parle toujours de l'effort, hein. On est d'accord ? C'est toujours l'effort dont on parle. Donc, les modèles, effectivement, sachant que il faut prendre le soin de faire un bilan de projet où on va recalculer la taille de ce qui a été réellement développé, parce que l'estimation de départ était probablement sur une taille qui était autre. Donc il faut refaire la mesure de la taille réelle, de l'effort réel, de balayer les hypothèses de projet. Est-ce qu'on était bien en Java ? Est-ce que l'équipe était expérimentée ? Est-ce qu'on avait des contraintes particulières en qualité ? Est-ce que, enfin, de planning et autres. Donc reprendre tout ça et puis appliquer le modèle d'estimation initial pour voir si on arrive au bon résultat. Et auquel cas, si ce n'est pas le cas, on réajuste les choses. Oui, enfin, le sizing, donc la vectorisation étant une étape, c'est vrai que lorsque je vais prendre un exemple, la gestion de la fiche client. Gestion, c'est un mot qui est ambigu, alors, d'un point de vue point de fonction, hein, on ne sait pas si ça veut dire créer, effacer, enfin modifier. Et donc, il peut y avoir certaines ambiguïtés, c'est pour ça qu'on travaille sur une classification nouvelle dans les exigences, enfin dans les points de fonction, qui est exigence ambiguë. Si ça marche. Ouais. Deux questions sur l'effort, parce que ça me préoccupe un peu. Et je voulais savoir si l'intelligence allait jusque-là. D'une part, est-ce que vous prenez en compte dans le calcul de l'effort la courbe d'expérience dans le temps, donc le fait que effectivement, quand je répète plusieurs choses, ça va me prendre moins de temps. Et deuxièmement, la contextualisation, c'est-à-dire calcul de l'effort en fonction des profils disponibles, c'est-à-dire qu'avec des profils plus ou moins expérimentés, j'ai pas le même effort. Donc, est-ce que ça c'est pris en compte dans le modèle ? Oui, alors tout ça est pris en compte. Donc là-dessus, en fait, on n'a rien inventé. Hein. Nous, on s'appuyait sur les travaux qui existent. Bon, les plus connus, c'est Kokomo, vous avez sans doute entendu parler, il y a 22 paramètres de mémoire qui parlent aussi bien l'expérience des analystes, des développeurs, la notion d'apprentissage apparaît aussi, enfin, le fait qu'on fait que c'est des choses qu'on ait déjà fait, enfin, il y a beaucoup de paramètres qui sont assez connus, donc voilà, on part de là et on ajuste dans le contexte du client. Mais là, il n'y a aucune intelligence artificielle là-dedans. C'est vraiment des modèles paramétriques très classiques. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée en fait, des performances
Alors, d'un point de vue estimation, le problème de l'estimation, c'est que c'est quelque chose qui s'inscrit dans une boucle d'amélioration. Donc, on part au démarrage avec un modèle, on fait un bilan, tiens, un écart, donc on recalibre et puis voilà. Donc, alors, après, on est dans le monde statistique, c'est-à-dire que avoir des modèles qui tombent juste à tous les coups, c'est pas possible. Il y a des paramètres qui nous échappent, hein, la météo, le fait qu'il y ait des grèves et que les gens passent plus de temps dans les transports, enfin, des choses qui échappent au modèle d'estimation. Mais donc il y a un effet statistique, c'est-à-dire qu'on sait que le résultat il sera dans une tranche plus ou moins large. Enfin bon, voilà. Donc la performance des modèles, oui, c'est quelque chose qui se mesure. Il faut le faire. Enfin, il faut le faire. Peu le font. Enfin, c'est faut le faire. Je sais pas. Ça peut être un exercice intéressant. Mais je dirais que à l'échelle des projets, quand je disais en introduction qu'en moyenne les projets coûtent deux fois plus cher que prévu, durent deux fois plus longtemps que prévu, mais on peut se contenter d'une erreur de 10%, même de 15%. Donc voilà, ça sera déjà beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Donc 10%, 15%, on les obtient très facilement. Alors, okay. Alors, une fois que le modèle est opérationnel chez vous, c'est-à-dire qu'il y a eu cette phase d'apprentissage, le coût, c'est 100 euros. C'est-à-dire que ce qu'il fallait 5 jours, c'est 100 euros le sizing. Donc, voilà. Mais il y a une phase d'apprentissage. D'accord, mais l'installation, donc on a l'installation. Après l'installation, on est sur quelques jours, enfin. Licence, c'est ça? Oui, en mode SaaS, on est en mode SaaS. Ah, en mode SaaS. Ouais, donc c'est à l'utilisation. Vous le dépouillez chez vous, et après pour 100 euros, on a une estimation. Le fichier, vous le chargez dans l'outil, et l'outil va vous poser des questions dont je parlais tout à l'heure. Derrière, vous aurez un résultat. Après, il faut que je montre l'outil, ça sera plus simple. Oui, on travaille sur l'anglais. En fait, je vois bien l'outil sur une spec classique meurisienne avec un cahier des charges, une expression de besoin assez structurée et répétitive. Par contre, pour une spec qui est d'avant-projet, de cadrage, qui est généralement, c'est un PowerPoint avec des schémas d'architecture et des objectifs, avec plein d'hypothèses, j'ai un peu de mal à voir comment ça peut aider quelqu'un, parce qu'il y a une telle interactivité avec le client par rapport à son existant, qu'est-ce qui a modifié, qu'est-ce qui reste en l'état. Qu'est-ce qui est à rajouter, qu'est-ce qui est du progiciel, qu'est-ce qui est du spécifique, etc., de l'adaptation de progiciel. Je me dis, est-ce que c'est rentable d'utiliser un outil comme ça, ou est-ce que ça va nous donner un chiffre qui sera vraiment dérisoire, va nous dire, ok, vous avez un sizing à 50 points de fonction, donc on va estimer à 100 jours, alors que le projet, il vaut 1000 jours. Alors, en fait... Là, on touche à quelque chose qui est intéressant et qu'on sait très bien faire, c'est que dans le cycle de vie projet, on a besoin d'estimations de nature différente. En fait. L'ordre de grandeur, des estimations grosses mailles, un peu plus détaillées, basées sur des points de fonction, basées sur des composants techniques, et tout ça, on sait le faire dans notre solution. C'est vrai que quand on n'a pas beaucoup d'informations écrites, ben, l'outil ne peut pas faire grand-chose. Donc, on va soit passer par un système interactif ou demander juste à l'utilisateur de comparer par rapport à des projets qui sont enregistrés à la base. Est-ce qu'il est plus gros que celui-ci, plus bas que celui-ci? Est-ce qu'il a telle caractéristique que celui-là n'a pas? Donc, par un ensemble de questions, on va lui poser on va essayer d'affiner les choses, mais à la limite, on est loin des points de fonction. Là. Donc là, ce dont je parle, ça s'applique à la gestion d'exigence. On remontera sans doute au niveau du cahier des specs détaillés, on va dire. Après, on verra. J'avais par exemple
un cahier des charges pour un portail fournisseur, pour un client, qui nous demandait d'estimer la charge parce que le prestataire allait faire son estimation et le client voulait savoir si l'estimation du fournisseur était en phase avec ce qu'on aurait estimé par une démarche point de fonction. Mais je pense que là, avec l'outil, on n'aurait même pas pu s'en servir. Donc on n'a pas vu le nombre de questions qu'on a dû poser au client sur son existant. C'était non, et même après ça, les ABAC ISBSG ne suffisaient même pas, parce que maintenant il y a des outils type Livefray, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour faire des portails, c'est des outils de gestion de contenu, mais qui sont plutôt orientés portails. Et là, la base ISBSG, elle a rien. La seule chose qu'on a eue, c'est qu'il y a eu un client qui a fait un projet Livefray et qui s'est pris un beau râteau parce qu'il était à 0,15 points de fonction par jour. Donc on a dit, attention, ne prenons pas la BAC ISBSG qui est à 0,8 sur du technologie Java classique. Prenez plutôt 0,40 ou 0,30, mais pas du 0,80. Et là, il y a l'expérience. Et l'expérience, je me dis, l'outil ne peut pas l'acquérir. Je ne vois pas comment l'outil peut l'acquérir, surtout s'il n'y a pas de base de connaissances. Non, mais alors, c'est vraiment la notion de capitalisation. Alors, encore une fois, sur ce qui n'est pas décrit, il n'y a pas de magie, il ne peut pas deviner. Donc, il y a toujours et souvent en ingénierie. Le travail du cotateur point de fonction, c'est souvent de faire préciser les exigences avant de faire son travail de cotation. Donc ça, ceci dit, ce travail pour faire préciser les exigences ne nécessite pas d'expertise point de fonction. Autrement dit, quelqu'un qui sait rédiger, qui a un peu de bon sens, peut le faire. Pour la partie apprentissage, si on a un cas... alors tout le monde sait effectivement que sur une nouvelle technologie, Dieu sait qu'on lit souvent dans la presse, que ce soit l'EPR, l'Airbus A380, des choses qu'on n'avait jamais fait avant, qu'on se prend des râteaux pas possibles, parce que on n'a pas de modèle d'estimation, donc on peut pas. Donc il est urgent de capitaliser dans ce genre de situation pour que les fois suivantes, on fiabilise. Mais oui, sans historique, il n'y a pas de magie. Et après, j'étais pas au début. Pour les projets agiles qui travaillent sur des user stories, vous faites l'analyse de la user story. Voilà. Donc le user story, c'est effectivement, j'en ai pas parlé. Le user story pour nous, c'est un bon format, même si elles sont un peu techniques, pour faire une cotation au point de fonction. Oui. Donc là, vous arrivez à sortir d'une analyse sémantique, d'une user story, la fonction, le type de fonction, est-ce que c'est une entrée, une sortie, une interrogation, la complexité ou pas. Et la complexité, oui. Oui, le niveau, le nombre d'attributs et le nombre de groupes de données qui sont manipulés dans la transaction. Et vous arrivez à identifier les groupes de données internes et externes. Alors, il y a la première partie, détection des données, qui nécessite une relecture, une revue par le chef de projet, pour valider que ça soit interne ou externe, que c'est déjà existant ou pas, que je ne sais plus quel est le troisième point, bref. Et là, il y a des choses qu'on ne peut pas deviner. Donc, il y a une intervention, mais qui ne nécessite pas d'expertise, point de fonction. Et ensuite, on peut passer à la classification des traitements. Non. Non, et on pense que vous prenez deux cotateurs point de fonction, il y a toujours un petit écart, vous savez. En fait, aujourd'hui, on travaille davantage sur le sizing que sur la partie modèle d'effort. Le modèle d'effort, on s'appuie sur les données du client, donc ça ne préoccupe pas plus que ça aujourd'hui. Mais
Mais pour la comparaison des modèles pour l'estimation de la taille, on a déjà dans la base de données des exigences avec la taille, avec s'ils sont des entrées ou des sorties. Et on se base sur ça, en fait, pour comparer la sortie de notre modèle par rapport à ce qui existe dans la base de données. Faire un modèle, mais avant la réalisation du projet, mais une fois que le projet est terminé, pour vérifier. Là, vous parlez vraiment du coût final du projet. Bah, ça a un impact. Oui, non, mais le sizing est indépendant. C'est, si vous voulez, la taille du logiciel est indépendante de l'effort. C'est la quantité de kilomètres à parcourir. Que vous mettiez 7 heures ou 3 heures, c'est une quantité à parcourir, enfin une distance à parcourir. Donc il faut juste être sûr que la distance réellement parcourue est éventuellement la même qu'au démarrage, enfin qu'est-ce qui était prévu, et si ce n'est pas le cas, ben de prendre en compte cet élément pour calibrer le modèle d'effort. D'autres questions ? Je crois que nous avons atteint le terme de cette présentation. Merci. On va passer à la partie informelle, alors. La partie conviviale de 8h30 à 9h. Voilà. Merci infiniment. Merci.